Madame Iman Reyes a fait sa dernière apparition, vendredi 22 avril 2022, dans la salle très bondée Félix Houphouët-Boigny de l'IVOSEP de Trècheville, où l'attendaient journalistes et hommes de médias. Pas question de se faire compter le dernier message de Madame Iman Reyes, présidente directrice générale, PDG, d'Olympe Média, propriétaire du site d'information l'Infodrome et ex-PDG du groupe Olympe, éditeur de Soir Info / l'Inter. Dernier message de Madame Iman Reyes des journalistes d'Olympe Média, entreprise en charge du site d'information l'Infodrome, et des journalistes de First News, éditeurs des titres Soir Info et l'Inter, ex-groupe Olympe, ont pris d'assaut la salle Félix Houphouët-Boigny de l'IVOSEP de Trècheville pour écouter une dernière fois leur patronne et ex-patronne, Madame Iman Reyes. Lire aussi obsèques, prière pour le repos de l'âme de Madame Iman Reyes, PDG de l'Infodrome. Personne ne voulait se faire raconter le message très important délivré ce vendredi 22 avril 2022, par la présidente directrice générale, PDG, de l'ex-groupe Olympe. Les journalistes ont pris d'assaut la salle FHB de l'IVOSEP de Trècheville pour écouter une dernière fois leur patronne et ex-patronne, Madame Iman Reyes. Madame Iman Reyes, comme à ses habitudes, est rentrée dans la salle où régnait un silence absolu. Des responsables de l'ex-groupe Olympe, ainsi que des journalistes étaient présents. Consignes et conseils de travail: le directeur général, le directeur de publication, le directeur des ressources humaines, les différents rédacteurs en chef et les journalistes ont attendu, cette fois-ci, en vain le message de la patronne. En lieu et place des consignes et conseils de travail, un lourd silence a prévalu dans la salle Félix Houphouët-Boigny de l'IVOSEP de Trècheville. En effet, en lieu et place des consignes et conseils de travail que Madame Iman Reyes avait l'habitude de donner, c'est bien au contraire un lourd silence qui a prévalu dans la salle Félix Houphouët-Boigny de l'IVOSEP de Trècheville. Dans ce silence, seuls les plus attentifs ont sûrement entendu la voix douce et quelquefois sévère de leur PDG et ex-PDG, Madame Iman Reyes. Lire aussi deuil, Iman Reyes, PDG de l'Infodrome, repose à jamais à Williamsville tous ceux qui s'attendaient à une longue réunion, ce jour du vendredi 22 avril 2022, au vu de la forte mobilisation dans la salle Félix Houphouët-Boigny de l'IVOSEP de Trècheville, sont repartis déçus, puisque la réunion n'aura duré qu'à peine une trentaine de minutes. Madame Iman Reyes est ressortie de la salle, après sa dernière réunion avec les journalistes et hommes de médias, cette fois-ci, sous une forte escorte, de plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, notamment la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, l'ambassadeur de l'Union Européenne, S.E.M. Jobs von Kirchmann, le vice-président de l'Assemblée Nationale, Adama Big Togo, pour ne citer que ceux-là. Ayant pris le chemin du cimetière de Williamsville, où elle repose désormais auprès de son époux, feu Neddy Reyes, Madame Iman Reyes n'animera plus de réunion. Repose en paix, très chère patronne. Puisse Dieu te réserver une place de choix dans son paradis céleste.